Bonjour Scott, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'on devait parler d'une affaire confidentielle? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. Garder un tel secret ne ferait qu'éveiller les soupçons et la méfiance envers toi. Alec pensait que les autres ne comprendraient pas. Il voyait cela comme une relation symbiotique profitant aux deux parties. Qu'est-ce que tu gagnes? J'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionniers. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Pionnier, le capitaine Dunn a donné l'ordre de ne laisser personne entrer dans la cabine de votre père hormis vous. Elle est désormais ouverte. Sam, c'était quoi ça? Un déclencheur eidétique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnier et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc SAM sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Ryder, les portions de ma mémoire verrouillées par votre père s'ouvrent. J'ai désormais des souvenirs spécifiques qu'Alex souhaitait vous montrer. Attends, je peux vraiment voir ces souvenirs? Oui, vous les revivrez grâce à votre implant. Voyons ça. Ce souvenir date de l'époque où votre père était posté à la Citadelle. Alec, vos recommandations ne passeront jamais. Une intelligence artificielle? C'est notre meilleure chance. Si le Conseil l'apprend, l'image de l'humanité va en prendre un sacré coup. Vous allez trop loin. Ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la Citadelle. Mon mandat est clair, donner à la Terre l'avantage. En utilisant une IA? Les Asari, les Galaria, ils ont des siècles d'avance, nous devons les rattraper. Mais c'est illégal. Ce sont leurs règles, pas les nôtres. Pourquoi priver la Terre d'un atout? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous libérera. Nous sommes prisonniers de nos cinq sens. Il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir. Comment? En renforçant nos capacités et en ajoutant quelques-unes. Ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Geth. Les Geth étaient séparés de leur créateur. Alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble. Il n'y a pas de créateur auquel s'opposer. Pardon, Alec, mais c'est trop risqué. J'apprécie votre travail, mais votre demande sera rejetée.
Alec. Hélène, qu'est-ce que le médecin a dit ? Il m'a dit de profiter du temps qu'il me reste. C'est incurable, Alec. Rien à faire. Hors de question. Ça fait drôle d'entendre la voix de ma mère. Je savais pas que mon père l'avait appris comme ça. Alec était un homme, dis-tu. J'espère bien. Ça valait le coup de se battre pour sauver ma mère. Il semblerait que j'ai également hérité de son obstination. Personne ne voulait l'écouter. L'idée de ton existence faisait trop peur aux gens. Après ça, mon père nous a fait revenir sur Terre pour s'occuper de ma mère. Je me demande pourquoi il voulait me montrer ça. C'était peut-être le début. Le début de quoi ? Je l'ignore. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Sarah ? Je surveille les rapports du Dr Carlyle. Sarah est entre de très bonnes mains. Ryder, ici Harry, sur l'Arche. Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre sœur, en quelque sorte. Passez nous voir à l'infirmerie de l'Hyperion quand vous pourrez. Harry, qu'est-ce qui arrive à Sarah ? Eh bien, on l'a sortie du module. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais Sam a réussi à la trouver, en quelque sorte. Je vous suis pas. Elle est toujours dans le coma, mais elle a également un implant comme le vôtre, et Sam a réussi à y accéder. Il lui a parlé. Mais c'est génial ! Elle va bien ? Ses fonctions vitales sont stables. Pour le reste, je laisse faire Sam. Même si Sarah est dans le coma, ses processus mentaux restent intacts. Alors, elle va bien ? Vous n'avez qu'à lui demander. Laissez-moi juste établir la liaison avec son implant. Allez-y. Sarah ? Est-ce que tu m'entends ? Scott ? C'est toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Où je suis ? Il y a eu un souci avec ton module de stase. Tu es dans le coma, sur l'Hyperion. Tu comprends ? Je crois. Est-ce que c'est un rêve ? Sam s'est connecté à ton implant. Ton état est stable. Tu es en sécurité. Tu es à l'infirmerie. C'est vraiment bizarre. Je t'entends, mais je sens rien du tout. Où est papa ? Est-ce qu'il va bien ? Il est parti en mission. Mais je sais qu'il se fait beaucoup de soucis pour toi. Je connais papa. Il a sûrement dit, elle s'en remettra. Et il est parti étudier une nouvelle espèce d'algue. Mais non, il tient beaucoup à toi. Combien de fois il t'a crié dessus jusqu'à maintenant ? Pas plus que d'habitude. Eh bien, quand il reviendra, dis-lui d'arrêter de martyriser mon petit frère. Et l'habitat 7, comment c'est ? Aussi beau que ce qu'on nous a promis. Il y a eu des complications. Les mondes en or ne sont pas vraiment ce qu'on espérait. Merde. Enfin, on savait que ça pourrait être dur. Papa trouvera autre chose. Ouais. J'en doute pas. Je devrais être avec vous et vous aider. T'as toujours été tenace. C'est pas une petite sieste qui va te retenir. Ah, ça non. Dès que je suis debout, je viens vous aider à nous trouver un foyer. On t'attend. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne s'agissait que d'une connexion temporaire. Son état reste stable. Désolé. J'ai pensé que c'était mieux que rien. Je vous tiendrai au courant. Merci, Harry. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Ce souvenir date du retour de vos parents sur Terre, suite au diagnostic de la maladie de votre mère. C'est très simple. On prend Sam. Qui ? L'IA, je l'ai appelé simulateur adaptatif matriciel. Sam, on se sert de tes recherches avec un implant relié à Sam. Mon travail sur les implants biotiques était prometteur. Mais ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que le médecin a dit ? Alec. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça s'aggrave. Alors n'hésite pas. Ça va marcher. Sam te sauvera. Alec, je suis pas une guerre que tu dois gagner à tout prix. T'es plus un N7. Ça ne veut pas dire qu'on... Ils t'ont déjà viré de l'Alliance à cause de ça. C'est de ta vie qu'on parle, là. Alec, tu t'es jamais dit que mon heure était peut-être venue ?
Je suis humaine. Mortelle. C'est comme ça. Hélène, arrête. Je ne peux pas accepter de te perdre. Ni que les enfants perdent leur mère. Déjà qu'ils n'ont jamais eu de père. Ça ne tient qu'à toi, Alec. Ils ne gagneraient pas au change. Alors, ce Sam, il parle ? Bonjour, Hélène. Quel est le comble pour un dentiste ? De vivre dans un palais. Les algorithmes humoristiques, c'est un art subtil. Le problème vient peut-être du prof. Ça semblait tellement réel. Ma mère était juste là, en vie. C'était la première fois que je rencontrais Hélène. Mon apprentissage de la mortalité humaine a commencé ce jour-là. Votre mère avait l'air prête à mourir. Mais mon père n'était pas prêt à l'accepter. Ma mère essayait seulement de le préparer. Même si tous les êtres humains expirent tôt ou tard. Ouais, mais quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime, c'est pas aussi simple. Je commence à comprendre d'où venait la détermination de votre père. Ce souvenir porte sur une réunion de famille sur Terre. Miracle. Le clan Ryder est enfin au complet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Au plus. En tout cas, je suis ravie. Vous m'avez vraiment manqué, tous les deux. Comment ça va, maman ? Oubliez ça tout de suite. La seule règle de cette visite, ce sera qu'on ne parle pas de moi. Je me porte très bien. Et le reste du temps, j'ai mes cachets. Ok ? D'accord. Bien. Et si on parlait d'autre chose ? Alec ? Allez. Eh bien, vous avez l'air plus grand. Ouais, jusque-là, rien d'anormal. Oui, je sais. Donc, j'ai entendu dire que l'Alliance préparait un nouveau Mako. Ouais, celui-là pourrait être largué d'un vaisseau. Tout juste. Il paraît qu'on en aura peut-être un pour notre prochaine mission. Tu explores toujours la travée de l'Attique ? C'est incroyable. On a peut-être trouvé un site protéin. Pas d'artefact, mais on continue de creuser. Je me souviens de la découverte des premières ruines sur Mars. Ça a tout changé. On tenait la preuve de l'existence des aliens. Il ne restait qu'à les trouver. Oui. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde un relais gravitationnel et je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Continuez. Dès qu'on arrête de se demander ce qu'il y a derrière la montagne, on perd une partie de soi. Aucune chance. C'est dans notre sang. Tu nous l'as transmis. C'était comment, papa, quand tu as traversé ce relais ? Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le relais Caron nous a donné des sueurs froides, même à l'amiral Grissom. Allons honorer le dîner que votre mère s'est donné tant de mal à préparer, et je vous raconterai tout ça. Je me souviens de ce jour. Ma mère se plaignait que le clan Ryder ne se retrouvait jamais au complet. C'est étrange, étant donné que vous étiez une famille. Ça devrait même pas m'étonner. C'est pas comme si j'avais un plan B. Il y a peut-être une solution. Veuillez m'excuser, pionnier. Il y a un message urgent pour vous. Votre sœur s'est réveillée. Quoi ? Allez-y, on discutera plus tard, au labo technique. Sarah. Tu m'as menti. Oh, Sarah. Pourquoi ? J'ignorais quel effet ça te ferait. Je voulais pas compromettre ta guérison. Oui, mais pourquoi retarder l'inévitable ? Pour être à tes côtés quand tu la prendrais. Il y a plus que nous deux, Scott. Je sais. Mais deux Ryder suffisent largement pour affronter cette galaxie. T'as une longueur d'avance sur moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pionnier ? Ouais, tu connais les blagues de papa. À ce qu'on m'a dit, tu vas avoir besoin de toute l'aide disponible. Doucement. Vous n'êtes pas apte au service, jeune fille. Votre tête de mule a besoin de temps pour se remettre. D'après qui ? Tu veux bien te détendre un peu pour une fois ? Il restera encore plein de montagnes à escalader à ton réveil. Oh. T'as intérêt à me laisser la plus haute. Ryder, ce souvenir date du jour où Alec a appris l'existence de l'initiative. Patientez juste un instant. Bonjour, Alec.
cachotrice n'est plus de mon âge. J'ai eu votre message, je suis là. Qui êtes-vous? Une bienfaitrice, en quelque sorte. Vous avez une proposition? Un avenir. C'est vague. Un avenir pour votre femme. Vous n'avez plus d'argent, plus de contacts. Vous ne pouvez pas terminer ça. Comment vous savez que... Je peux vous aider. J'ai tout ce que vous voulez. Dites-moi d'abord ce que vous me voulez. Votre IA n'est pas qu'un simple remède pour votre femme. Elle pourrait apporter le salut à de nombreuses personnes. Je ne vous suis pas. Là où nous allons, nous aurons besoin d'un point de vue différent pour comprendre les choses. Et où donc? La galaxie d'Andromède? J'ai une proposition pour vous. Et Hélène n'a plus beaucoup de temps. Ça vous intéresse? Qui c'était cette bienfaitrice? Je pense que l'initiative Andromède ne disait pas tout sur ses activités. Des registres privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Il pourrait vous en apprendre plus à ce sujet. J'ai fait une drôle de rencontre hier. Je pensais voir Jen Garson, la fondatrice de l'initiative, mais ce n'était pas elle. Jen doit être la visionnaire, celle qui motive les troupes et qui fait la pub pour le projet. Mais il y a apparemment une bienfaitrice qui fournit des ressources et de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est un peu inhabituel. Mais ce projet l'est depuis le début. Intéressant. Je me demande si Tan est au courant. Ça vaudrait le coup de lui en parler. Ryder, ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. C'était un beau combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on n'a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça? Vous vous serrerez les coudes? C'est toi qu'on veut. Je t'aime, maman. Je vous aime, tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi, tombez amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Dis-le, Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Pleure mon départ si tu veux, mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7? Quand tu as le dos au mur, et que tu ne peux pas fuir, certain. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serai toujours moins que toi. Je t'aime tant, Hélène. Je m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos, par ailleurs, rempli de possibilités infinies. Je crois pas que ce soit la fin. Ma mère n'a pas disparu pour toujours. Où est-elle allée? Je sais pas, mais j'aime à penser que son existence persiste quelque part. Dans ce cas, je n'ai peut-être pas complètement échoué à la sauver. Votre père espérait que je pourrais la guérir. J'ai jamais compris. Avec toutes tes compétences, Sam, comment elle a pu mourir? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée. La maladie de votre mère était systémique. De plus, il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie. Elle dépend également de la volonté de vivre. Je crois que votre mère avait accepté son sort, et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter. Simple curiosité. Qu'est-ce que vous savez sur les personnes à l'origine de l'initiative? La même chose que tout le monde. Jen Garson en était la fondatrice et la tête pensante. Par malheur, elle est morte lors de l'incident du fléau. Personne d'autre? J'aurais bien aimé. Une autre voix pour apaiser les esprits. Keshe aurait peut-être fini par m'écouter. Mais non, il n'y a plus que nous. Pourquoi cette question? J'ai des raisons de penser que Garson n'était pas seul. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est compliqué.
Elle avait une partenaire dans l'ombre, une bienfaitrice. À supposer que ce soit vrai, cette partenaire n'a pas donné signe de vie en 14 mois. Elle doit être morte, portée disparue, ou elle n'a jamais existé. Non, tout gravitait autour de Jean Garson. Mourir seule. Une fin vraiment tragique pour une personne de sa trempe. Oh. C'était le chaos. Le temps que nous la retrouvions, elle avait déjà succombé à ses blessures. C'est quand même pas de chance. Mourir juste à la fin d'un voyage de 600 ans qu'elle a personnellement organisé. Le destin peut être cruel. Si vous impliquez que les choses se sont passées autrement, Ryder, je préférerais que vous vous absteniez. Ne compliquons pas la situation. Merci de m'avoir reçu. Ryder, si vous souhaitez poursuivre votre enquête, les enregistrements de sécurité du Nexus pourraient vous en apprendre plus. Qu'est-ce qu'on cherche, Sam ? Toute information relative au décès de Jean Garson. Le seul élément concret qu'on a, c'est que son corps a été retrouvé dans un des appartements. Associer son décès à la catastrophe du fléau relève donc simplement de la spéculation. Oui, il voulait juste clore cette affaire. Je pense qu'on devrait jeter un œil à cet appartement. Les données environnementales nous permettront de reconstituer les événements. C'est ici que le corps de Jean Garson a été découvert. Qu'est-ce qu'on cherche ? Scanner la pièce pourrait permettre de reconstituer les événements à partir des données environnementales. Voilà. Ça n'avait rien d'un accident. On l'a assassiné. Plus d'un an s'est écoulé depuis cet incident. Le meurtrier doit à présent être très loin. Oui. Attends. Cette zone était fermée à ce moment-là. Elle n'a ouvert qu'à l'arrivée de l'Hyperion. Alors qu'est-ce que Garson fabriquait là ? Un autre scan de la salle pourrait se révéler utile. Une porte dérobée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici Jean Garson. Le temps m'est compté. Je me cache dans les sections condamnées du Nexus depuis notre arrivée. Quelqu'un veut ma mort. Je les entends. Ils sont dans la ferme hydroponique. Ils me cherchent. J'ai intégré tout ce que je sais à l'IV du centre culturel. Le code se trouve dans cet enregistrement. Et quoi qu'il arrive, pensons. Ils sont derrière la porte. Merde. Là, c'est du sérieux. C'est troublant, en effet. J'ai récupéré le code du kiosque IV qu'elle a mentionné. Bienvenue à vous, chers voisins. Je suis Jean Garson, fondatrice de l'initiative Envomède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur le projet. Sam, on peut écouter le message dont Garson parlait ? Déverrouillage en cours. Je le redirige sur notre canal privé. Pendant des années, l'initiative a eu un contributeur officieux. Pour être franche, je manquais cruellement de fonds. Puis une bienfaitrice est apparue. Je ne l'ai jamais vue ni lui ai posé de questions. Une regrettable erreur. J'ai menti à tout le monde. Quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée, et voilà qu'ils déplacent 100 000 d'entre nous vers Andromède. Pour le meilleur, j'espère. J'ai des doutes. Je pense qu'on va essayer de m'éliminer. Avec Alec Ryder, nous avions un mot de code pour ça. Fulcrum. Il en sait peut-être plus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « quelque chose les a terrifiés dans la Voie lactée » ? La réponse pourrait se trouver dans les souvenirs de votre père. Il en savait peut-être davantage. L'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Un instant. Il y a un palier de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que Jean Garson a dit déjà ? Le mot de passe est Fulcrum. Déverrouillage réussi. C'est le dernier souvenir que votre père a crypté. Il date des derniers moments de préparation avant le départ de l'Hyperion. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je vous dois une fière chandelle, au bon vieux temps sur la citadelle. J'ai demandé à mon fils Garus. Il travaille au SSC. Et ? Il dit que le Conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. Mais ? Officieusement, il se pose de sérieuses questions. Cette menace, les moissonneurs ? C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle, une extinction qui se produit tous les 50 000 ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. Incroyable. Je sais. Mais d'après ce que m'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ses moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il a raison. Merci, Castis. Au revoir.
Oui. Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les arches doivent être en chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux feux. Je suis d'accord. Il y a autre chose ? Vous avez parlé de salut pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait ? Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Shepard en a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison ? Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Sam. J'écoute, pionnier. Localise mes enfants et dis-leur que leur père veut discuter. C'est urgent. Comment va Hélène ? Toujours en stase. Comme vous l'espériez, cela a suspendu l'avancée de la maladie. Assure-toi que son module soit sur l'Hyperion. Utilise un faux nom. Je le dirai aux enfants le moment venu. Sam, transfère l'accès du pionnier. Encode les souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici ? En vie ? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stase. Il espérait interrompre la progression de la maladie jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Il n'aurait jamais dû garder ça secret. Votre père ne voulait pas vous donner de faux espoirs. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnier. Pour mener ce projet à bien. Où est maman maintenant ? Ici, sur l'Hyperion. Hélène se trouve dans un module de stase sous un faux nom. Elisabeth Reilly. Maintenant, c'est ce que voulait dire Gian Garson. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Un spectre de la Voie Lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la Voie Lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison ? Les moissonneurs sont revenus ? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations s'il devait lui arriver quelque chose. Mais pourquoi Gian Garson a été assassiné ? Rappelez-vous les paroles de Garson sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède pour le meilleur, j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était qui ? Ou c'est qui cette bienfaitrice ? Je l'ignore. Je suis le docteur Liara Tessoni. Et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéens. Tout le monde sait que les protéens étaient une race avancée qui a prospéré dans la Voie Lactée il y a environ 50 000 ans, avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'Hyperion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la Voie Lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est parti juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. Alec, c'est Gian Garson. Nous sommes en 2185. C'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus et nous nous apprêtons à entrer en stase pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gênée par rapport à notre bienfaitrice et le fait qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. Gian, j'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la Voie Lactée... Quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher ? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. L'Habitat 7 semble être un échec.
On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Steven Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Helios. La Terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Instruction supplémentaire, reportez-vous au canal crypté Rouge Tacite. Que Dieu nous sauve. Ici le commandement de Palaven, à toutes les unités turiennes à portée. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primarque Fedorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons quand. Tout le monde à terre! Je crypte ces rapports de la Voie lactée. C'est le seul exemplaire et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. Donc, voilà le module que tu m'as dit de trouver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Elizabeth Reilly? Je pourrais essayer de monnayer l'info, mais bon, voilà. C'est maman. Quoi? J'ai vu le dernier souvenir de papa. Il l'a emmené. E.R., ce n'est pas Elizabeth Reilly, c'est Ellen Ryder. C'est pas vrai? Comment c'est possible? Papa l'aimait trop. Il n'a pas pu l'abandonner, même quand tout semblait perdu. Pour un homme qui ne se soumettait pas à l'impulsivité, il a fini par se laisser guider par ses émotions. C'est pas croyable. Donc, l'obstination de papa a enfin payé. Je voudrais le serrer dans mes bras, et puis l'engueuler. Il aurait dû nous le dire. J'ai dit la même chose, mais qu'est-ce que ça peut faire? Elle est toujours avec nous. Il faut qu'on la réveille. Je vous le déconseille. Bien qu'Hélène soit en vie, la ranimer réactiverait sa maladie, qui lui serait fatale. 600 ans ont passé. On peut pas la guérir, Sam? C'était ce que prévoyait votre père. Comment ça? Alec espérait qu'Andromède recèlerait des informations scientifiques qui nous donneraient des réponses. Nos aventures dans Helios ont en effet permis d'amasser de précieuses connaissances génétiques qui pourraient nous conduire à un remède. Mais il nous faut être patients. Réjouissez-vous pour l'instant qu'elle soit encore en vie et que vos découvertes puissent un jour vous la rendre. Mais elle est juste là. Combien de temps on va devoir attendre? Aussi longtemps qu'il nous faudra pour mettre au point un remède. Nous lui devons bien cela, à elle et à votre père. Sam a raison. Il faut qu'on prenne notre temps, qu'on fasse les choses correctement. Mon but initial était d'assurer la survie d'Ellen Ryder. Une mission que j'espère un jour mener à bien avec vous deux, ensemble.